Bon, alors c'est le troisième film que je vois. Et je vous remercie. Oui. Et bon, toujours avec un très grand plaisir, bien sûr. Et disons, je pense que avoir vu les trois donne du prix, un prix supplémentaire à celui qu'on vient de voir. Bon, c'est clair. Alors, j'ai été frappé, disons, par plusieurs choses là. Disons, la première, c'est que la... On m'entend pas ? Oui, on m'entend, mais je vais vous faire les micros. Bon, voilà. Voilà, c'était brillant. Bon. La première, c'est la grande qualité de l'image. Bon, première, une grande qualité de l'image qui me fait, cette construction d'image qui me fait penser beaucoup à la peinture de Hopper. Je ne sais pas si c'est si c'est dans l'intention, mais en tout cas, c'est extrêmement, extrêmement frappant. Par ailleurs. Pourquoi Hopper ? Juste pour. Hopper, ses intérieurs. Ouais. Bon. Enfin, c'est une réaction de quelqu'un qui voit, enfin, qui regarde. Bon. Alors, quelque chose de plus, peut-être plus profond que ça, qui est tout simplement une réaction d'écho visuel, c'est que la façon dont chacun des protagonistes apparaît, et d'abord dans l'obscurité, puis petit à petit, son visage apparaît, c'est toujours, et c'est, cette présentation est employée dans tous les cas, eh bien, elle m'a rappelé, disons, pour moi, c'est une manière de dire quelque chose de l'opération de traduction. Et ça m'a rappelé quelque chose d'extrêmement frappant. C'est un poème irlandais du 7e siècle. C'est un de ces scribes, traducteurs, commentateurs qui prennent des textes anciens, classiques, et qui sont en train de travailler. Et il se trouve que dans les marges, ce scribe, traducteur, a écrit des poèmes. Et je vais vous en lire un, parce que je pense qu'il dit quelque chose de la manière dont les images du film expriment fondamentalement l'opération de traduction. Pongmur, le blanc, et moi avons chacun notre métier. Son esprit pense à la chasse et moi je pense à la mienne. Je préfère toute gloire la paix de mon livre, Chant du savoir, et lui qui ne m'envie jamais aime son métier enfantin. Parfois, après une lutte terrible, une souris tombe en son pouvoir, et moi, je prends dans mon filet un mot difficile à comprendre. Même si notre labeur est long, nous ne nous dérangeons jamais, chacun aime son travail et chacun en profite seul. Le travail qu'il accomplit chaque jour est celui pour lequel il est fait, et moi, je me suis préparé au mien, mener l'obscur à la lumière. Alors c'est ça. Et je pense que chacune des personnes qui sont interrogées fait ça. C'est son travail. Mener l'obscur à la lumière, passer d'une langue à l'autre. Et l'image au sein de laquelle ils sont cachés au début et où ils apparaissent ensuite, c'est exactement ça. Ça m'a beaucoup frappé. Alors, bon, il y a bien d'autres qualités, précisément de chacune de ces scènes, dans lequel, visiblement, on a enlevé tout ce qui pouvait digresser et dépasser. C'est construit de manière extrêmement savante. C'est évident parce qu'il n'y a pas un mot de trop dans chacune de ces paroles, et c'est quasiment impossible que ça ait été réellement comme ça. Donc, c'est vraiment très, très, très magnifiquement construit. Alors, la dernière chose que je voulais dire qui m'a... Évidemment, beaucoup, beaucoup plus parce que il y a quelques années, j'ai participé à une traduction de la Bible. On peut la traduire, même ça ne doit pas remplacer l'original, bien sûr. Et il y a quelque chose de tout à fait intéressant dans ce que dit le premier intervenant par rapport au Midrash et la sorte de boutade qui donne par rapport à, disons, aux évangiles,
chrétien, moi je suis chrétien. Bon, c'est vrai que les paroles qu'on attribue à Jésus, qui sont traitées parfois d'énigmatiques, de paradoxales, ça rappelle évidemment le Midrash, ça c'est clair. Mais en même temps, je pense que, en un sens, ça vient de la Torah. Il y a un livre très intéressant de Michael Fishman, dans lequel il fait un long développement, où il explique qu'on a beaucoup bavardé, discuté de manière savante et très intéressante sur les contradictions qui peuvent exister entre certains livres de la Bible. C'est très frappant. Mais il dit, pour lui, c'est intentionnel. C'est intentionnel et c'est ça, au fond, qu'on retrouve dans le Midrash. Il n'y a pas à décider. Il n'y a pas à décider. Les quelques contradictions qui sont là doivent être... Elles sont résolues. Là où elles sont résolues, mais il n'y a pas à les élire, il n'y a pas à les effacer. Voilà. À toi. À moi. Bon, moi, je ne reviendrai pas sur les compliments à faire à Nourit. Nous avons fait donc déjà ce petit duo, tous les deux. C'est la troisième fois. Et donc, nous sommes un peu rodés. Et de plus en plus rodés. Et je crois que Nourit aussi est de plus en plus rodé, puisque moi, je considère que ces films deviennent de plus en plus frappants, en ce sens qu'il y a une marche vers l'épure, vers une espèce de pureté à laquelle tu as été sensible, et qui, évidemment, cette dernière étape de son cheminement, car je pense que tu vas peut-être pas refaire un quatrième film autour de la langue, parce que là, je crois que tu es vraiment arrivé au bout de quelque chose, puisque ce qui est vraiment le degré suprême de l'art, le sujet et la forme font exactement corps. Pour filmer la traduction, tu as trouvé un système qui est exactement la métaphore de la traduction. Et c'est ce que Jacques a voulu dire, c'est ce qu'il a rappelé. Et c'est ce qui m'a aussi frappé quand on s'est téléphoné l'autre jour. C'est une des choses qui me semblait importante à te dire. Donc voilà, j'ai été... C'est l'épien. Pardon. Donc voilà. C'est l'épien. Ben oui, c'est ça. Donc d'une certaine façon, quand on entend parler le premier sur le Midrash, c'est une description du travail olympien pur et simple. Et de travail de rêve aussi, à la même occasion. Le travail de rêve et le travail ont beaucoup de points communs. Parce qu'il décrit comment fonctionne le rêve. Absolument. C'est vrai que par rapport précisément à ces textes anciens, il y a quelqu'un qu'on aurait aimé voir dans ce film et qui est mort il y a maintenant 7 ans, qui est Charles Mopsik. Et ça, évidemment, j'ai pensé plusieurs fois à lui. Bon, j'espère que vous connaissez tous l'œuvre de Charles de Marseille. Donc, ce qui... j'aurais pensé, oui. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est la diversité des personnages que tu as choisis, chacun avec une histoire tout à fait personnelle. Et malgré tout, comme il se doit dans toute bonne œuvre, derrière cette diversité, une assez profonde unité, une assez profonde similitude dans le rapport aux mots, dans le rapport au langage, dans le rapport à l'hébreu, dans le rapport au travail de traduction. J'ai été frappé que au moins 4 sur combien il y en a 9 ou 10, au moins 5 sur 10 ont dit que leur travail de traducteur a été déterminant dans leur travail de poète ou d'écrivain. Oui, là, ils ont commencé comme ça. Voilà. Et il a été le déclencheur pour certains d'entre eux, c'est le travail de traducteur qui a déclenché leur travail d'écrivain. Et évidemment, ça me paraît d'une très très grande justesse, au point que je me demande si on ne devrait pas obliger
tout apprenti écrivain à faire de la traduction. D'ailleurs, la plupart le font. Et d'ailleurs, beaucoup le font, effectivement. Au moins en Israël, les poètes que je connais, ils se sont tous amusés à traduire à un moment ou à un autre. Okay. Alors, il y a quand même quelque chose d'un tout petit peu particulier dans l'ensemble de personnages que tu nous as présentés. C'est que, alors dans leur diversité, d'accord, mais il y a quand même quelque chose qui les unit, c'est que il m'a semblé qu'aucun d'entre eux n'avait une vraie langue maternelle. Il m'a semblé que c'était tous des gens qui jonglaient un peu avec les langues. Et c'est donc quelque chose peut-être d'un peu spécifique à Israël. Et qui rejoint. Tu parles de ceux qui écrivent l'hébreu ou les traducteurs ? Les deux. C'est très curieux. Oui, surtout les traducteurs. Mais surtout les traducteurs, bien sûr. Mais ça n'a rien à voir avec Israël, parce qu'ils ne sont pas en Israël. Oui, mais ce sont quand même tous des gens qui traduisent de l'hébreu. Oui. Donc ils ont tous un rapport avec l'hébreu. Oui. Et aucun de ceux-là n'a comme langue maternelle unique l'hébreu. Me semble-t-il. Personne. Ben, nous sommes bien d'accord. Donc il y a vraiment quelque chose qui n'est pas courant, qui ne va pas de soi. Donc à côté donc, de la problématique générale de la traduction qui est très bien faite, il y a aussi une problématique très particulière qui est celle de la traduction en milieu hébraïque. Voilà les quelques remarques d'ordre un peu général que je voulais faire parce que j'en ai été frappé. Alors maintenant, on peut répondre, hein, comme on faisait les autres fois, répondre aux questions ou répondre à tes questions. Peut-être à mes questions. Tes questions. Non, mais à te questionner, oui. Alors, moi, je voudrais te questionner sur les images urbaines que tu as mises comme transition. Je me souviens que dans ton premier film, c'était un train qui passait. Dans le deuxième, c'était le train. Là, j'aimerais que tu explicites un peu ces fenêtres, ces images qui deviennent des fenêtres à la fin. Bon, j'ai appris un peu des Olympiens de me donner plein de contraintes et j'ai décidé que les images que je ne vais pas prendre, le panoramique, là, ils vont être la fenêtre qui est chez les traducteurs, c'est-à-dire qu'en fait, ce que lui voit par la fenêtre. Après. Que voit Dieu par la fenêtre, mais que voient les traducteurs par la fenêtre. Donc c'est la fenêtre et qu'il fasse aux traducteurs, les traducteurs à l'intérieur, et ce qu'ils voient. Ils ne voient pas pareil, ils m'ont tous dit qu'ils n'ont jamais vu comme ça, mais c'est quand même comme une contrainte que je me suis donnée, c'est la fenêtre du traducteur. Après, bon, j'ai décidé de caresser comme ça avec ma caméra ce que je vois par la fenêtre, mais ce qui était important pour moi, je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est exactement le même style quand je filme les textes de poésie en hébreu. Donc c'est-à-dire que pour moi, la fenêtre, le texte, et même à un moment, mais après j'ai dit je ne veux pas être aussi explicite, quand on pense à un livre ouvert avec la barre, pour moi c'est comme une fenêtre. Hein. Le livre ressemble, je parle maintenant graphiquement, à une fenêtre. Donc je filmais en fait le livre. Et le paysage, pareil. Hein, je ne dis pas donc comment c'est fait, parce que c'est un peu quand même... ça a été fait en After Effects, etc., mais en essayant d'imiter un mouvement qui ressemble à celui du paysage. Donc c'était pour moi important que ça soit lui-même. Et avec le maximum de matérialité, le maximum de... presque d'érotisme vers les deux choses. Hein. Bon, je vais essayer de mettre plus proche de ma bouche. Oui, une deuxième chose que je voulais te demander, c'est parce que j'ai été frappé et Jacques aussi d'ailleurs, c'est l'extrême unité du discours de chacun. Est-ce que ces propos ont été préparés à l'avance? Est-ce qu'ils répondent à des questions que tu as posées? Pas à des questions. Non. C'est-à-dire que c'était vraiment préparé pendant très longtemps avec eux, pendant un an ou deux. C'est-à-dire que c'est une préparation, un dialogue continu, et pour voir
de quoi chacun va parler. Et en plus, j'ai changé en cours de route, parce qu'en cours de route, je savais de plus en plus je savais l'ensemble. Donc, et essayer de tirer de chacun et avoir des idées, proposer, revenir, c'est vraiment du travail. Et aussi, c'était vu en vue de parler 5 minutes. Donc, il parle comme il parle. Mais parfois, c'est pas une première prise, une autre, où on travaille, on reprend, etc. C'est beaucoup plus comme un travail avec des acteurs. Mais ce qui est absolument interdit d'apprendre par cœur, c'est-à-dire que si il y avait quelqu'un qui a appris par cœur, il est out. C'est-à-dire que c'est pas possible. Ils sont en train de construire dans la tête. Et s'il y a une prise d'après, on a dit là, c'est devenu par exemple trop long. J'ai dit, il faudrait reprendre pour arriver à 5 minutes à peu près, ou 6 ou 7. C'est reconstruire dans sa tête en enlevant, c'est-à-dire que le montage est fait sur place, avec la personne, et pendant un an de travail, de va-et-vient. Avec chacun différemment, il y a des gens que j'ai vus, Skype, téléphone, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais je n'ai pas forcément vu leur fenêtre, ça. Chacun des exemples qu'on voit est extrêmement original, ça c'est tout à fait évident. Et en même temps, il y a un élément tout à fait universel de l'opération traduisante. On peut reconnaître des choses dans le travail des traducteurs dans tout le temps. Ça tout à fait. Alors, peut-être ce qui m'a surpris le plus, c'est l'auteur du dictionnaire. Oui, Nibarski. Ça, vraiment, c'est à la fois très, très émouvant et très surprenant, je trouvais. Ça m'a plus surpris que d'autres choses. Parce que c'est un tout petit peu triché, il n'est pas traducteur, mais il est traducteur quand même, hein, et c'est un poète lui-même. Oui. Donc il fait les dictionnaires, et les dictionnaires c'est intéressant, les yiddish, je vous attendais, c'est une langue germanique, avec très peu d'hébreu dedans, et lui il fait les dictionnaires de mots hébraïques en yiddish. Mais ce n'est pas un dictionnaire hébreu-yiddish, c'est un dictionnaire yiddish-yiddish. Mais c'est un poète, lui-même c'est poète, je sais qu'il est poète, mais il ne publie pas, mais c'est quand même un poète, et ça se sent dans sa manière de parler, pour moi. La plupart sont poètes eux-mêmes. Ça s'entend. C'est une autre chose assez frappante, c'est quand même surtout la poésie qui est représentée là. Oui, mais je crois que, d'abord parce que les poètes, je crois que c'est ceux qui travaillent avec la langue de plus proche, et je crois que vraiment la poésie hébraïque est extraordinaire, y compris l'israélienne. Je suis moins convaincue au niveau de renouveau du langage par rapport aux écrivains israéliens. Je crois que la poésie est plus forte, et pour cause, hein. Et je crois qu'on parle des deux, peut-être pour moi les plus grands, c'est Agnon quand même, et Yaakov Shabtai, hein, qui est vraiment renouvelé dans la langue. Et comme j'avais envie qu'on parle de la langue, il se trouve, bon, vous savez, que la poésie, c'est là où on est le plus près de questionnement sur la langue elle-même. Hein. Parce que dans le roman, c'est beaucoup le récit, c'est l'histoire, comment on va ramener l'histoire, et là, c'est la langue.